Hey, tu vas en avoir en crise du foutage. On est rendu à combien de temps? 6:30 là. Ouais. Mais regarde, tu vas couper ce qu'il faut puis. Tu vas en avoir des affaires. Non mais c'était excitant tout le long là. Ah oui. Kilomètre zéro! Yeah! C'est là. Conduit! Ça va être long! C'est de la belle gravelle! Ah, on peut juste rouler à 70 ici. Très généreux, il roule à 62. On est pas moins que ça déjà. Ça, c'est la Broadback. Ça. C'est quoi? Demain, on va pouvoir dire j'étais sur la rive hier de la Broadback. Ouais, fais-moi donc pendant que je mets mon pied dans l'eau. Tu peux être sûr, je fais ça. Oh! Et froide. 1812 à 1925, des canotaires gris, réputés. Connu. Ah, t'as pas ta ceinture, Fred? What the wow! Adrette, wow! Aïe, c'est malade. On est où? À Trupper, mon gars. On va aller voir les cascades, quoi. On va aller voir les cascades? 2016, c'est l'année. 2016, les cascades de la Rupert. On les a déjà vus de l'autre côté. On va les voir mieux. Mais là, ça a l'air qu'on peut être encore plus proche de l'eau de ce côté-ci. Quoi ça? De la mousse à main. Mousse comment? Ça? Ouais. Ça, c'est des les touristes qui se sont pas lavés avec du savon biodégradable. Vraiment? Non, je sais pas. Je pense pas non plus. Bon là, Maxence a franchi la barrière, j'aille le suivre. On va aller voir de quoi ça a l'air. Sur le bord de la Rupert. Il est presque 10h. Puis on s'en va au bord de Radisson. Il fait pas chaud. Il fait sérieusement pas loin de zéro là, avec le vent. Puis la seule façon de se réchauffer, c'est d'aller au bord. Ça tombe bien le bord, il est juste. Là-bas, en bas du terrain de camping. J'ai envie de partir un dance floor. Un continental. Je danse 4-4. Ah, devant l'évacuateur. Comment tu te sens? Oh, mais ça enlève là. Je me sens seul. Barrage Robert Bourg puis l'évacuateur. Ouais. La B. James! Wouh! Elle est là! La B. Ouais, tout bout de la route. On est tout bout de la route, la B, James. L'eau est froide. J'ai touché la B. James. Yes. Check. Check off my bucket list. On est à Chisasibi, Maxence, qu'on dit comme un chien. Donc là, je fais change de... Ouais, puis sa clutch, dans le fond, mettons deuxième. En plus de scène nécessairement. Que elle relâche la clutch doucement puis donne de l'essence. Donne du gaz, donne du gaz. C'est le côté bouche. Fais sa clutch. Quatrième, paf, on relâche la clutch doucement. À compter de ce soir, on va faire un enregistrement à la... Fait que là, on est à quel kilomètre, là? Kilomètre 448. Dans ce coin-là. Il y a eu des feux de forêt dans ce coin-ci. Il y a genre 4-5 ans. Puis, ben ça, c'est ce qui reste. Ça a tout tranquillement repoussé. Ah, oh, il y a des petits bleuets! Des belles bleuets! Mais ils sont pas sortis encore! Yeah! Des ouais, petits bleuets! Ben, il y en a sûrement dans ton coin aussi, là, mais c'est parce que... Ouais, genre fait pousser. Il y en a partout en fait, c'est tout des petits plans de bleuets. Ah! Finalement, Fred s'était trompé, c'était pas au 444 ou au 452. Mais l'ordre de grandeur était là. L'ordre de grandeur, ouais. C'est juste le jour où on vient, on va pouvoir vraiment retrouver la place. Bye bye! On est à côté de la route d'accès de la Sarcelle, parce qu'on va aller voir des feux de forêt.
Puis là, on essaye de prendre des photos là, dans les, la forêt qui brûlait plus récemment que l'autre. Ah, le nord québécois. C'est quoi la centrale la plus récente d'Hydro-Québec construite en 2012? C'est la Eastman? Non! Non, c'est la Caisse de la Forge Nord. Non, c'est oui, c'est là. C'est là. Elle est affichée, là. La Sarcelle. Ah oui, la Sarcelle. La Sarcelle. J'ai pas écouté autant. Oh là là. Puis tout ça, c'est brûlé. C'est quoi le cycle de vie d'une forêt, Bay James? La durée? 150 ans. 100 ans? 100 ans? Hey, regarde. Le vieux gars, écoute. L'as-tu vu, toi? Où est-ce qu'elle pisse? Ouais. Mm-hmm. Tu l'as vu? En bas, là-bas. Là-bas? En bas, là, tu suis la route, là. Ouais. Puis en bas, c'est là où est-ce qu'elle pisse. Elle pisse là? Ouais. Mais c'est où qu'elle pisse? En bas. En bas? Là-bas. Ouais. Là où est-ce qu'elle pisse? Où est-ce qu'elle pisse? Là où est-ce qu'elle pisse? Ah. Où est-ce qu'elle pisse? Ah. Elle pisse là. Et où est-ce que tu James? Ouais, ouais. Et où est-ce que tu James? Elle pisse ici. Ouais. Ouais, c'est où est-ce qu'elle pisse? Bah, c'est là où est-ce qu'elle pisse. On est où là? On est où? On est au bout de le chemin forestier de 150 km! Hey, on était cœurés puis on savait même pas si on était sur le bon chemin. Hein? Qui a cru que notre Civic allait passer à travers tout ça? Ça c'est le bout. Ça c'est le T à gauche ou c'est le T à droite? À gauche. T à gauche? Je pensais l'autre T à droite, on est allé à gauche. Je pense que c'est la centrale, ça. Ça a pas le choix. Où est-ce que tu vois une route d'asphalte, toi? Ici? Asphalte, ça? Ben oui. Hey, hey, non, c'est beau ça! Anyway, c'est Chibougamau par là, je crois. Ouais, c'est Chibougamau. Bon, ben, bravo Fred, bravo! Bon, de crevaison! Yes.